La sécurité partout et pour tous. C'est sous ce thème que s'est déroulée samedi la 3e journée nationale de la sécurité intérieure. Police, pompiers, gendarmerie, SAMU et préfecture, tous les personnels de la sécurité civile étaient présents quai de la Dorade avec un mot d'ordre, communiquer. Notre époque est une époque de communication, il faut communiquer pour rappeler le rôle de ces personnes qui 24 heures sur 24 sont à la disposition des citoyens, comme vous l'avez dit, pour leur sécurité. La télévision, les émissions montrent de plus en plus la réalité de notre métier. Qui est effectivement différent par rapport au film, mais tout aussi merveilleux, je peux vous le garantir. Pour présenter leur mission, les acteurs de la sécurité n'ont pas hésité à se mettre en scène lors d'une prise d'otage, d'un contrôle d'identité et même d'une saisie de stupéfiants. Moi, j'ai fait passer mon chien pour savoir s'il n'y a pas de produits stupéfiants. Il est dressé à tous les stups. C'est quoi le secret de votre duo hein? C'est la complicité. Les chiens, les sirènes, les armes et l'hélicoptère, tous les moyens étaient bons pour faciliter le dialogue et pourquoi pas le recrutement.